Konnichiwa les Kibishi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle visite d'île sur Animal Crossing New Horizon. Et aujourd'hui, j'ai trop hâte clairement de visiter cette île. C'est une île en symétrie. Apparemment, c'est Sybille qui m'a envoyé le code onirique. Elle m'a dit vraiment, franchement, je pense que tu devrais la visiter, ça va te plaire. Et donc, il y a un côté dark et un côté qui est, on va dire, féerique. Et j'ai trop hâte, rien que l'idée de me dire qu'il y a deux côtés, que c'est symétrique et qu'il y a un côté dark et un côté féerique, mais je trouve que c'est juste incroyable. J'aime beaucoup l'idée. On a déjà un petit visuel sur la carte de l'île qui a l'air incroyable. Bref, je suis trop hype et trop excitée de découvrir cette île avec vous. Si vous me découvrez, vous, sur cette vidéo de visite d'île, eh bien n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à mettre le petit like. Et tout de suite, c'est parti, on découvre de plus près la carte de l'île. On est chez Kate, je sais pas si ça se dit comme ça, Kate. Ouais, on va dire Kate, si ça se dit pas comme ça. Bref, il me semble que Sybille m'a dit que c'était la créatrice et était streameuse. J'essaierai de vous trouver. Bon, son Instagram, c'est sûr que je vous mets dans la description de la vidéo. N'hésitez surtout pas à aller la suivre sur Instagram. Et si elle a une chaîne, je pense que c'est une chaîne Twitch. Si j'arrive à trouver sa chaîne Twitch, eh bien, je vous mettrai également le lien. Son île s'appelle Amora. Je ne sais pas du tout à quoi ça fait référence. Vous avez son code onérique qui s'affiche. N'hésitez surtout pas à aller la revisiter, cette île-là. Me semble-t-il que les maisons des habitants, je sais plus, on va voir ensemble, ça va être beaucoup plus simple comme ça. Et pour les habitants, c'est parti, il y a Nasser, il y a Biquette, il y a Nana, il y a Cachou, il y a Rachida, il y a Bouloche, il y a Charlène et il y a Didi. Mais attendez, il n'y a pas 10 habitants là, 2, 4, 6, 8, il n'y a que 8 habitants. Ah, peut-être que c'était bien pour la carte comme ça, le fait qu'elle ait fait un truc symétrique, peut-être qu'elle avait, je sais pas, peut-être ça faisait trop de maisons, 10, j'en sais rien, je ne sais pas du tout. Bref, bon, la carte est juste magnifique, je vous le savez, je pense depuis le temps, je suis très fan des cartes comme ça, très naturelles. Et puis bon, voilà, les îles féeriques en général ont des cartes naturelles et j'adore de ouf. Bref, bon, j'arrête de vous blablater et j'aime beaucoup cette entrée, ce petit coin avec les deux panneaux d'indication. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on commence? On commence par le côté féerique, ça a l'air d'être plutôt par ici, hein. Et de l'autre côté, ça a l'air d'être là, hein, le côté dark, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Oh purée, ça a l'air génial, ça a l'air vraiment génial. On commence, vous savez quoi, par le côté féerique. Waouh, bon, pas de surprise pour dire que c'est juste magnifique. C'est une très bonne idée d'avoir mis des citrouilles, ça va extrêmement bien. Ça va vraiment très bien, le motif il est super joli et ça rend bien là le cactus. Franchement, je pensais pas que le cactus mélangé comme ça dans la déco pourrait aussi bien rendre. On a ici comme un espèce de château. Waouh, le petit lapin blanc comme ça. Oh, 13 Alice au Pays des Merveilles. Bon, vous savez que je suis très fan d'Alice au Pays des Merveilles. J'ai fait beaucoup de déco sur ce thème-là. Et j'aime énormément la plage. Ah, j'adore. J'adore de ouf. Waouh, on voit déjà un petit peu le côté dark. Waouh, ça a l'air trop beau. Oh, j'ai trop hâte là de faire tout le tour de l'île. Oh, aïe, 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 aïe. Purée, la plage comme ça, juste simplement décorée avec juste quelques schistostegas, je trouve que c'est juste parfait. Je trouve ça très beau comme ça, la simplicité même. Franchement, c'est amplement suffisant avec les vignes et tout, les colonnes, franchement, magnifique, très joli. Allez, on s'enfonce un petit peu plus dans le fond de l'île. Les petites cascades juste ici, si on revient par là. Ok, on a une espèce de cuisine. Waouh! Une cuisine genre d'extérieur avec le chaudron. J'aime trop cet item. Vraiment, waouh, regardez-moi ça. Oh, ah là 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 là, j'adore. J'ai trop hâte d'attaquer l'île sans mairie. Vraiment, j'ai trop hâte. Ok, en fait, c'est quand on continuait comme ça. Moi, je suis passée par la porte de château, mais réellement, on pouvait passer également par ici. C'est très joli. Hein. Vraiment très joli. Et on aperçoit tout en haut juste le baobab.
Et franchement, c'est très beau aussi. Petite maison ici d'un habitant qu'on va aller visiter évidemment pour voir est-ce que ça a été décoré ou pas, parce que je me souviens plus. Ici, on a un petit livreur de lait. C'est tout cute, c'est vraiment tout cute. Et ça aussi, c'est trop mignon, regardez-moi ça, tout simplement. Les bougies, voilà, posées comme ça, très très chou, très très choupi. On revient sur la plage qu'on a déjà... Non. Ah non, on est de l'autre côté. Waouh, avec les petites tomates en hauteur. Très choupinou aussi. On va essayer de monter, peut-être qu'on a une vue sympa en haut. Non. Ah, on peut peut-être pas monter comme ça sur le côté. Ouais, je pense qu'on peut pas monter. C'est pas grave, c'est juste pour la déco. En tout cas, ça rend très très bien. Après, bon, il n'y a pas trop de surprises. Hein. C'est une île, ce côté-là, c'est féerique. Bon, c'est très joli, hein. J'adore. Vous connaissez, vous savez, mon amour pour les îles féeriques. Bref, et ben, vous savez quoi, on va aller voir si ça a été décoré juste par ici. C'est chez Biquette et ça n'a pas été décoré. Mais il me semblait bien que Sybille me l'avait dit. J'espère en tout cas qu'elle prendra le temps, eh bien, un jour peut-être de décorer chez les habitants. Ça serait trop cool. Ça serait vraiment, vraiment trop cool. Après, il y a des personnes qui sont pas trop... qui aiment pas spécialement faire des décos d'intérieur. C'est très, très, très joli ici. Oh ! Waouh ! C'est très 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 joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup 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 ce petit coin là. Oh, ah ouais. Oh, ah là là, avec Didi l'escroc. Coucou toi purée, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vue, elle me manque. J'avoue, elle me manque quand même. La boutique Nous camouflée juste ici, avec les mises doigts de fée juste derrière, ça va parfaitement sur l'île. Je trouve que c'est canon, vraiment ce petit coin. Je le trouve adorable et juste en dessous, on peut apercevoir la plage avec les petits schistostégas et quelques mauvaises herbes et quelques fleurs. Et franchement, c'est juste parfait comme ça, c'est très mignon ce petit chemin. Oh là là, et franchement, oh, waouh. Ah, c'est trop, trop, trop joli. Waouh, c'est vraiment très, très beau. Oh, attendez, est-ce qu'on peut se faire une vue? Parce que c'est... Ah mince, il y a l'arbre juste en face. Il faut que je me mette un petit peu plus au fond comme ça. Waouh, c'est vraiment magnifique. Hein. Oh, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est magnifique. Toute la végétation qu'il y a, les arbres, les baobabs, les vignes. C'est sublime. Ah ouais, c'est vraiment très très beau. J'adore de ouf. J'ai trop hâte là de visiter l'autre côté de l'île. À mon avis, ça promet de ouf. Hein. Bon. Allez, on continue. Est-ce qu'on peut essayer d'avancer? Ouais, on va essayer de s'avancer un peu plus loin, comme ça, vers le fond de l'île. Ah, ici, c'est beau aussi. Oh, les petites maisons des habitants ont été super bien choisies. Les couleurs sont très jolies, très féeriques, évidemment. Je ne sais pas où est la maison principale. Ok, en bas, c'est la plage. On arrive absolument tout au fond de l'île. On peut peut-être passer juste par ici. Oh, wow, c'est vraiment très joli. On a l'accès à la plage de Rounard juste en bas. Waouh, très très beau. Je ne sais pas si on peut descendre. Ah si, on peut descendre. Ok, simplement décoré mais juste parfait. Je dis très souvent ça, mais j'aime bien hein, quand c'est minimaliste, quand il y a des petites décorations très simples. En vrai, des fois, il n'y a pas besoin d'énormément pour que ça fasse de l'effet. Et les plages de Rounard, c'est vrai que ben j'aime bien hein, quand c'est minimaliste. Bon, après, j'aime bien quand c'est chargé aussi. Hein, mais bon, voilà, j'adore cette île. Regardez-moi ça, c'est sublime avec toutes les fleurs et tous les mélanges de couleurs sont vraiment, vraiment canons. Et en vrai, réellement, ici, il n'y a que des fleurs. Et c'est super joli. Je pense qu'on est en train d'arriver. Oh, on arrive dans la partie dark. Mais je veux pas visiter par ce sens-là. La partie dark de l'île, j'ai envie de revenir au niveau du début. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, c'est trop, trop, trop joli. Et on est vraiment tout au fond de l'île. Je vais essayer de revenir sur mes pas. Alors, attendez. Non, ici, en face... Et j'aimerais bien, voilà, repasser sous la arche et essayer de revenir un petit peu plus vers le devant, mais un peu plus, vous voyez, voilà, par ici, le petit chemin ici, là. Waouh, avec le vélo et tout. Oh, en tout cas, la partie féerique est juste très, très, très... Waouh ! Mais c'est magnifique, juste ici en dessous, là. Oh, salut toi, Kate !
Ah, je sais pas si ça se dit comme ça. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Il y a sa maison. Je sais pas si elle a été décorée. En tout cas, on va y passer voir, évidemment. Et j'ai trop envie d'aller en dessous, là. Waouh. Waouh, c'est super joli. Ah, oh, j'adore. Ah là là, pour l'instant, je pense que c'est un de mes coins préférés. Regardez. Ah là là, avec la maison. Ah, c'est trop joli. Oh, attendez, on se fait une vue parce que là, c'est... c'est ultra canon de ouf. Hein. Waouh. Je suis trop fan. Est-ce qu'on n'aurait pas une vue encore plus belle juste si on montait ici? Mais déjà, rien que regarder, quand on voit comme ça dans le fond, mais c'est sublime. Regardez comme c'est beau. Oh ah là là, mais cette vue est magnifique. Oh, ah là là, j'adore, j'aime trop. Oh, bref, allons voir dans cette maison, allons voir un petit peu est-ce que ça a été décoré ou non. J'ai trop hâte de découvrir, je me souviens plus du tout ce qu'elle m'a dit, Sybille. Bref, c'est parti, go voir. Ah non, ça n'a pas été décoré, mais ça y est, ça vient de me revenir parce qu'en plus Sybille m'a dit, mais tu verras, c'est une mini visite, ça sera hyper court. Eh ben, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est court, mais magnifique. Donc, on s'en fiche, c'est cool. Je suis trop contente, en tout cas, encore de cette découverte grâce à Sybille. Mais un grand merci à elle, si elle passe sur la vidéo. En tout cas, ouais, bah franchement, j'adore. Le petit coin ici, et on va passer dans la partie d'arc qui est juste à côté. Ah là là, on revient au niveau de la mairie. Est-ce qu'on peut descendre? Yes, on peut redescendre juste par là. C'est parfait. Bon, mon lit, il est éclaté. Hein. Il est éclaté, c'est le lit de camp, parce que du coup, on fait la visite avec Niri. Mais bon, c'est cool. C'est très, très cool. Est-ce qu'on peut passer? Non, ici, on ne peut pas passer. Eh bien, passons par ici. Waouh! Eh bien, la version... Le château version d'Arc. Oh! Ah là là, c'est une super bonne idée. Hein. C'est vraiment, vraiment une super bonne idée d'avoir fait un côté d'Arc et un côté féerique. Je suis trop fan de l'idée. Vraiment, j'adore l'idée. Ici, on arrive à Dodo Airline. Et ensuite, eh ben, on doit avoir la cuisine en mode dark. Waouh! C'est ultra canon. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de cette petite visite là. Franchement, et j'avais jamais... Alors j'ai entendu parler, j'ai pas visité, mais je sais qu'il y a des îles 4 saisons qui sont sympas aussi. C'est une très très bonne idée de faire des îles 4 saisons. Bon, la plage, ok, minimaliste, mais juste parfaite. Hein. Comme celle d'en face. Est-ce qu'on peut monter ici? Il y a des îles 4 saisons et tout, mais une île comme ça à double face, genre avec, comme si c'était deux thèmes différents. Franchement, je trouve que c'est une méga super bonne idée. C'est vraiment, vraiment une super bonne idée. Bon, j'aime énormément le thème de couleur un peu bleu comme ça qui a été utilisé pour le côté ici de l'île. J'imagine que les maisons des habitants ont été choisies, évidemment, par rapport, je sais pas si peut-être l'extérieur a été personnalisé, hein, j'ai un doute, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas, ce petit coin, il est juste sublime également. On peut pas passer sur le côté là ici, c'est bloqué, je sais pas si on peut passer par là. Ah oui, on peut passer par là. J'adore de toute façon les îles comme ça où on peut se balader et dès qu'on prend des petits chemins comme ça, des petites routes et tout, franchement, je suis vraiment très très fan. Et toute la végétation qui ont été posée, les cannes à sucre, franchement, j'en ai mis énormément sur mon île, bisounours, et franchement, ça rend super bien, ça rend vraiment bien. La mélanger à la mauvaise herbe et les schistostega, franchement, c'est canon. C'est vraiment canon. Allez, on essaye de monter juste par ici. Ah là là, les petits lapins en noir, super bonne idée. En tout cas, franchement, gros GG à la créatrice de l'île. Je suis très fan de son île, surtout de l'idée. L'idée est canon, l'idée est vraiment canon. Ok, le musée. Ici, de ce côté-là, d'accord, hop, on repasse par ici. J'aime bien le fait qu'il y ait du bleu parce que c'est un côté dark, mais pas tant que ça. Je m'attendais à un truc encore plus dark, mais en vrai, c'est cool, hein. C'est très très cool. Alors, ici, on arrive, ok, les petites maisons des habitants personnalisées, je pense, en noir. Je suis pas sûre, hein. Peut-être que c'est plutôt les habitants ont été choisis en fonction des maisons. Hein. Parce que je sais que Charlène, sa maison est très foncée. J'imagine que, je sais plus comment elle s'appelle, la sœur, là. La sœur de Biquette, la cousine de Biquette ou la sœur, c'est Nana. Nana, je sais que sa maison aussi, elle est très foncée. Je pense que Cachou aussi, ouais, sa maison est foncée. En vrai, je pense que ça a été vraiment choisi en fonction des habitants. Mais c'est super cool. Et c'est grave original, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà vu ce thème quelque part? Moi, franchement, ça me dit rien avec toutes les îles que j'ai visitées. Franchement,
J'avais pas encore vu ce double thème qui est vraiment canon. Je me répète évidemment énormément, et bien quand j'aime bien quelque chose, en tout cas c'est très très beau. Et je pense que mon endroit préf, je vais vous emmener dans mon endroit préféré. Et j'espère, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, il y a l'endroit où il y a la maison où j'ai fait la petite vue sympa, mais il y a un endroit, je pense, qui est au-dessus de ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Je crois que c'est par là, là. Non, attendez. Il me semble que c'est dans ce coin-là, là. Ouais. Ouais, c'était ici, là. Ici, on s'était fait une vue. Oh, waouh. Je suis trop... J'aime trop. J'aime trop. Je ne saurais pas quoi choisir entre ce coin juste ici et le coin où il y a la maison principale en plein milieu de l'île. Je sais pas. En tout cas, j'adore ce coin-là. Je trouve que la végétation, les couleurs sont juste magnifiques. Et on va s'arrêter là pour cette mini visite d'île. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je suis hyper contente d'avoir découvert cette île. Encore un grand merci à Sybille, un gros GG à la créatrice. Je vais essayer de vous trouver son Twitch ou son YouTube peut-être, je ne sais pas du tout. Je vais essayer de voir, je vais demander à Sybille, ça va être beaucoup plus simple. Bref, en tout cas, n'hésitez surtout pas à mettre des petits likes. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, évidemment. Et moi, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur un live. Des bisous les kibichis.